France is still reeling from its deadliest terror attack. The magazine Charlie Hebdo. J'espère que plus jamais on nous traitera de laïcar intégriste, que plus jamais on utilisera le même mot intégriste pour parler des assassins et pour parler des victimes. Quand je fais le code, j'ai la Kalachnikov que je sens un moment dans mon dos. Je suis. Je pense à ma fille, tout se bouscule. Je suis complètement déchirée en fait. Je suis déchirée. Ils ont certainement célébré ça parce que ils pensent que c'est éternel. Ils pensent qu'il y aura toujours Charlie Hebdo. C'est un peu comme la Tour Eiffel, ils se disent que ça sera toujours là. Puis un jour, ils s'aperçoivent que ben, ça tombe. Comment faire pour que ce qui est arrivé ne soit pas définitivement une invitation pour les jeunes journalistes, moins jeunes, à se taire?